Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vu que c'est lundi c'est... Dédicace. Et petite dédicace à Lilou 1661, à Fofo Lafan, à Andrea du 75, à Thérèse de la ville Angers, à Alia la Désette et à Lilia d'Algérie. On vous aime fort. Merci bien sûr et gros bisous à vous. Vous avez pas vu ma tablette? T'as encore perdu ta tablette, c'est ça? Trouve ta tablette. D'une couleur d'abord. Bleu. Bleu, le bleu, d'accord. T'as 10 secondes. 10. Non mais arrête. 9. Bleu. Qu'est-ce qu'elle fait avec sa langue quand elle le fait? Elle mord sa langue. On dirait qu'elle a un chewing-gum. 7. 5. 4. Arrête de la stresser déjà que c'est dur. 2, même elle comprend pas. Où est ma tablette? Peut-être que je l'ai mis dans ma chambre, je vais aller voir dans ma chambre. Je peux pas faire de bruit, Diana. Pourquoi? Parce que je vais faire une sieste, moi je suis fatiguée. Oh là là! Oh, elle m'énerve! Je t'ai dit, fais pas de bruit, je vais faire une sieste. Mais je te jure qu'il y a une poupée. Et je te jure, demande à maman, je n'ai pas mis de poupée dans ma chambre. Bah, il y a une poupée, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Fais avec des yeux blancs, des cheveux noirs, une robe blanche. Je n'ai jamais vu cette poupée de ma vie. Oh, sortez-la de ma chambre, moi j'ai trop peur. Et sa peau, elle est bleue, je te jure, c'est vrai. Mais d'Halloween, moi j'ai rien, moi je la touche pas. Sortez-la de ma chambre. Calme-toi, déjà. Non. Calme-toi. Non, s'il te plaît. Tiens, encore, vous essayez de me pranker? C'est bon, c'est drôle. Waouh, j'ai eu peur, c'est bon. Mais à quel moment on a essayé de te pranker? Là, vous avez mis une poupée flippante. Bon, allez, je vais aller c'est voir. C'est bon, voilà, j'ai eu peur. Enlevez-la de ma chambre, je ne la toucherai pas. Je ne la toucherai pas. C'est plutôt toi qui est en train de nous pranker, là, je pense. Allez, je vais aller voir. Tu vas voir, Diana, j'espère vraiment qu'il y a une poupée flippante. Hein. Mais je te jure que c'est vrai, mon ami. C'est un petit miroir. Un petit miroir pour se regarder. Mais n'y fais pas! Ah, vas-y! N'y fais pas. N'y fais pas. Tu sais pas parler. Bon, ma porte est ouverte. On dit quoi? On dit quoi? Je sais pas. Ma porte est ouverte. Eh, ma porte, elle était ouverte. Je sais que ma porte, elle était ouverte. Elle était ouverte. Quoi? Y'a rien du tout. Arrête de mentir. Oh! Je te jure qu'elle était là. Je te jure qu'elle était là, mais on dirait une telenovelas. Tu te calmes? Je vous jure, regardez, vous voyez pas? Ça, sinon, ça aurait été comme ça. Regardez, je fais toujours mon lit pour moi, là, c'est comme ça. Tu te calmes pas. Non, parce que j'ai trop peur. C'est bon, tu me fais un truc.
Comment tu me fais un prank? Je crois que j'ai que ça à faire d'acheter une poupée et de te faire un prank. Est-ce que je m'en fous? Je te jure qu'elle était là, les gars. Elle a pris un chewing-gum en passant. C'est moi la poupée. D'ailleurs, le truc là que tu devais me donner, il est dans ta chambre. Quel truc? Ah ouais. Le chouchou, là, ouais. L'élastique. Ouais. Elle va me le donner. J'en ai besoin. De quoi? Mais pour le donner à ma copine, elle en avait besoin. Je te l'ai dit en plus. Oh, oh mon Dieu! La vie de Guy, elle est dans ma chambre. La vie de Wam, elle est dans ma chambre. Elle est dans ma chambre. Wow. Elle est dans ma chambre. Il y a une poupée. Je te le jure, Negin, il y a une poupée. Il y a une poupée. Negin, arrête, je rigole même pas avec toi. Si j'ai raison, t'as vu? Ma vie. Je te jure qu'elle était là avant. Je ne l'ai pas mise dans ma chambre. On va faire quelque chose. Arrêtez votre cinéma là. Non mais. La honte. Ça y est, 2-1. Mais au début, je croyais que c'était toi qui m'as pranké. C'est vous, vous me pranquez, mais là, elle a eu peur. Du coup, c'est... en fait, c'est elle. C'est elle qui nous pranque. Voilà, c'est elle. Vas-y, va reprendre ton truc. Ta vidéo, elle est cachée. Vas-y. Va reprendre ton truc. Vas-y, elle est où la caméra cachée? Prends ton truc là. Tu veux que je prenne quoi? La poupée. Mais quelle poupée? La poupée blanche. Débile ou quoi? La poupée avec... blanche avec les cheveux noirs, avec les trucs rouges, les plus blancs. Le lénaille. Non, reste là, viens. Non, parce que là, vas-y, vas-y, regarde. Eva, elle est plus là. Je jure qu'elle est plus là. Oh merde. Là, je vous dis que Disney Channel devrait vous employer pour faire partie de la prochaine série. On était d'accord, elle était là. On était d'accord. Mais il n'y a rien. Va dans ta chambre s'il n'y a rien, vas-y. Va dormir, c'est bon. Il n'y a rien, on dirait qu'on va mentir nous aussi là. On va pas faire. C'est moi qui avais envie de faire ici. Tu vas la faire dans ta chambre la pièce. Vas-y. C'est bon. Ah non, parce que vous me saoulez. Vous allez encore me saouler. J'ai peur. Alors, t'as vu, je te prends pas. Bon, je vais faire une sieste. S'il vous plaît, vraiment. Je sais que vous voulez faire des blagues, que vous voulez rigoler, mais... que non, rien. Mais, non. Mais là, vraiment, non, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille parce que vraiment, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir, je suis malade. Non, mais vous êtes sérieux là? Quoi? Vous avez déposé la poupée dans ma chambre? Hein? Non, mais. Quoi? Ma vie, elle a la poupée dans sa chambre. Oh mon Dieu! Ah! Pourquoi vous faites genre là? C'est bon, on a compris. Allez, dégage toi. Alors, je suis fatiguée moi. Tu dégages. Allez hop. Cette poupée, elle veut pas que je la prenne. Ou quoi? Allez, tire-toi de merde. Non, ah, elle a cassé le bras. Elle veut pas que je la prenne. C'est fou, elle fait que. Elle a cassé le bras et la tête. Ah, je l'ai pas jeté là-bas. Je voulais la jeter ici. Elle est partie. Bon, prenez votre poupée là. Mais c'est pas notre poupée! Oui, on était avec toi tout le long! Comment tu veux qu'on la change quoi? 3 fois de place? Mais oh! Faut ça pas croire les gens comme ça! Bah qui c'est qui a déposé cette poupée ici? Elle mais est pas arrivée toute seule! C'est pas moi, j'étais avec toi! C'est qui alors? C'est pas Diana! C'est elle la première à avoir dit qu'il y avait une poupée dans toi-même t'arrives pas à la porter, tu crois que Diana va réussir? C'est
C'est toi. Moi? Parce que déjà j'ai une théorie que c'est pas moi parce que tout à l'heure elle a vu que j'étais là. Même si j'aurais mis la poupée là, quand elle était pas là, j'étais tout le long avec elle. Donc quand elle a disparu, j'étais encore avec elle. D'accord. Hein? Mais c'est bon. Mais regarde, mec. Comme par hasard, sa tête est restée comme ça. J'ai failli tomber. J'ai vraiment failli tomber. Oh, maintenant, elle est tout tranquille. Vraiment. Viens, Diana, viens. J'ai vraiment peur, vraiment. Mais tu... viens voir la tête parce comment elle est. C'est moi qui lui ai fait du mal. Viens voir la tête comment elle est. Viens voir la tête. Viens voir la tête comment elle est. Viens. Mais viens. Non. Viens. Allez, moi, je vais la jeter, cette poupée. Allez. T'es malade, ne le fais pas, elle va te tuer, elle va revenir. Après c'est à toi qu'elle va s'en prendre. Mais par là, on mange pas. On mange pas, hein. Là, vous êtes en train de faire une grosse malade. Moi, je passe, regarde. On ferme bien. Dehors. Comme ça, on ferme la porte. Très bien. S'il arrive un truc, non. S'il arrive un truc, je suis avec toi, les gars. Je suis vraiment avec mais toi. Mais là, comme ça, papa, il va la ramasser, il va la jeter. Mais papa, il vient pas. Il va manger aussi. Ah, super. Hop. Sérieusement. J'ai vraiment trop peur. Mais qui n'aurait pas dû faire ça? Bah oui, en plus, c'était là-bas au moment où elle l'a fait. Donc bravo. Mais non, moi je lui disais d'arrêter. Mais vraiment, je lui ai dit ne le fais pas. Ça va te, le refaire contre toi. Ça va te rencontrer contre toi. Ouais. Mais tu me crois pas? Bah maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Mais elle me croit pas. Si, mais tu veux que je fasse quoi? Que je... j'aille voir la poupée? Non! Faut être gentille avec elle. Bah, moi j'ai été gentille avec elle, j'ai rien fait. Hein. Oui, mais je parle de Nagui, elle aurait pas dû faire ça. La poupée, ouais, elle va venger. Bah, non, t'inquiète. Je sais pas, je vais aller aux toilettes, là, je me sens pas bien. Neg! Neg, elle est dans les toilettes! C'est pas possible, j'étais dans la cuisine. J'étais dans la cuisine, j'étais en train de manger, je l'ai pas vu. C'est quoi ce délire? Mais. Je n'ai pas été. Une féline! Je n'ai pas été. Une fois que c'est nous, mais c'est trop! Parce qu'elle rigole. Je rigole pas! Rigole toi! Ben je rigole pas! Voilà. Allez hop! On lève la. Mais là, il y a un truc que je comprends pas. J'étais dans la cuisine, j'ai mangé. Donc j'étais dans la cuisine. La poupée, elle était en face de moi. Et je ne l'ai pas vue rentrer de chez nous. Donc comment elle a pu rentrer? Je comprends pas. Je n'ai pas été une fois dans la cuisine. Tu m'as vu? Tu m'as pas vu? Elle est plus là? Là-bas. Elle est plus là. Comment ça, elle est plus là? Comment ça, elle est plus là? Ouah, elle est plus là. Mais je la vois pas, hein. Elle est. Oh là là. Bon, elle est plus là, elle est plus dans les toilettes. Appelle maman et papa, elle va leur dire. Mais pourquoi tu peux être aussi calme? Bah parce que c'est une poupée en même temps. Et alors? Bah parce que je sais que vas-y, on est trois contre une poupée, ça devrait le faire quand même. C'est quoi, c'est la poupée, tu penses que t'as fait mal? A mangé tout! C'est quelqu'un qui t'a fait mal? Ah non, je suis tombée! Aou! Aou! Je savais pas, j'étais en train de marcher et d'un coup, je me suis baissée, mais je voulais pas me baisser! Ouais. C'est comme si quelqu'un voulait que je me baisse! Il y a quelqu'un qui m'a poussée! Ah!
Aïe! Qui c'est qui m'a poussé là? Ah, on monte! Viens, lève-toi! Tu me fais trop mal! Lève-toi! Vous m'avez poussé les filles ou pas? Mais... Bon, elle a toujours pas compris en fait. Elle couvre trois de ses mains. Il me manque quelqu'un qui m'a poussé. Oh, je vois dépasser sa main. Je vois dépasser sa main. Wow. J'avoue, je commence à flipper. Non, fais rien. Calme-toi là. Calme-toi. Oh. Tu fais n'importe quoi. Pourquoi t'es partie taper la poupée? Je l'ai pas tapée. Bien sûr que si, arrête de mentir. Il y a quelqu'un qui me pense de partout. Faut qu'on soit gentil avec elle. On va lui donner à manger. Tu lui donnes un jus de pomme aussi? Ouais. Moi je ne la touche pas en fait. Elle est gentille qu'avec toi. Je ne l'ai même pas touchée encore. Parce que nous, elle nous fait mal et toi, par contre, rien du tout. Normal, tu l'as coupée, tu l'as mis dans un sac plastique, moi aussi je te ferai mal. Hein. T'es drôle. T'as vu? En fait, c'est toi, t'es elle. T'es hypnotisée. Salut ma puce. Toi, tu t'en vas. Non. Tu t'en vas. Non. Ouais. Désolée, je t'en fais. Qu'est-ce que vous faites? Bon, j'espère que tu vas bien. Voilà. Bien. Tu restes là, j'arrive. Non mais comment tu peux être gentil avec ce truc là? Voilà comment t'appelles. Pardon. C'est quoi? Arrêtez, vous allez en mettre sur le canapé. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Bah t'as vu? T'as fait. Bah oui, elle a bu. Mets sur la table. Attends, regarde, regarde. Oui, j'ai entendu. Non, mais... Elle a bu. Non, ça n'a pas fait là. Bon, maintenant, regardez ce qu'on va faire. Depuis tout à l'heure, elle va dans le lit. Ça veut dire qu'elle a envie de... dormir. Donc hop. Elle est allée dans le lit tout le monde, elle veut dormir. Vous êtes des malades, hein? Mais vous allez dégager ça de la maison en fait. On va attendre que papa et maman ils arrivent. Pour l'instant. Alors quand je lui dis à papa. Tu t'as tout fait, tu l'as donné à boire. Comme ça, une poupée. Tu peux me dire, bah putain. Voilà. Et pour l'instant, elle ne tapera plus. Bon, c'est bon. Allez, viens, arrête de la regarder. Excuse, Neg. De quoi? Pourquoi tu me regardes moi et tu dis ça? Je te regarde pas, je regarde plus. Faut que je t'excuse. Quoi? Pour faire quoi? À qui? À la poupée. Ça te fait quoi de dire pardon? On s'en fout, non? Mais pourquoi tu veux que je m'excuse à une poupée? Parce qu'elle te fait mal maintenant. Mais n'importe quoi. Ok, d'accord. Donc il y a quelqu'un qui t'a poussé, on sait pas qui c'est. Tu penses? Mais j'ai dû trébucher là. Et pourquoi tu me penses? Non mais c'est... des fois tu sais tu sens comme quand ça te gratte, y'a pas quelqu'un qui te gratte. D'accord, et Diana elle s'est fait pousser, tomber, ça aussi c'est rien. Je sais pas. Mais c'est pas ça. Et à chaque fois qu'elle bouge de place, tu penses que c'est normal. Ok, ok, ok. Allez, pardon. Allez, pardon, ouais. La poupée. Allez, pardon. C'est bon? Vous êtes contente? Oui, merci. C'est bon? Allez. Je vous ai fait à manger, vous pouvez aller manger. Oui, je vais aller manger. On dit quoi quand on vient pas à manger? Mais je vais me dire merci. Oui, je vais aller manger. Oui, je vais aller manger, merci. En vrai, je suis désolée, je te demande pardon. Voilà, je voulais pas se faire du mal, moi.
Moi, je suis gentille. Voilà, tu t'installes. Oui. Tu dors si tu veux. Il y a ton jus de pomme là-bas. Je te laisse même la télé pour moi. Pour regarder la télé. Trois poulets. Pardon. Et au moins 14 de pâtes, ok? Est-ce que je suis en retard en plus? Je vais me préparer. Mais tu vas où d'ailleurs? J'ai un rendez-vous. Toi. Oui, ça va. Non, je t'ai appelé tout à l'heure, tu sais, pour regarder ma petite. Ah oui, j'ai pas pu répondre. Bah, je t'ai laissé un message. Tu l'as pas vu? Ah non, j'ai pas vu. Ouais, en fait, j'ai un rendez-vous professionnel, mais très très urgent, là, faut que j'aille me préparer. Et c'était pour savoir si je pouvais garder ma petite, il y a personne à la maison. D'accord. Et voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour c'est garder... Sage. C'est très sage. Garder la gosse, quoi. C'est combien de temps? Entre 2 et 3 heures. Ah oui, max. Elle mange chez moi, il n'y a pas de soucis. Okay. Juste voilà, la garder. Ok. Que je ne sois pas seule. Voilà. Merci. Merci beaucoup, tu gères. Donc j'y vais, je file. Tu fais attention à toi, vous faites attention. Oui, la dernière fois j'avais oublié mes chaussons. Ouais. Donc je peux les mettre là. Bon, 2-3 heures. Merci beaucoup de me garder. Merci beaucoup de me garder. Oui, de rien. Bisous, bisous. Allez, ciao. Ah, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Tu veux dire oui? J'ai mon volet, hein. Ouais, très bien. Mais c'est dans ma poche. Salut. Ah, c'est belle. Ça va, tu vas bien? Oui. Bah écoute, tu peux enlever ton manteau si tu veux. Je le mets où? Bah je vais te le prendre. Hop, merci. Tu j'étais... Peux, vous pouvez mettre dans ma poche? Non mais y a pas de souci, t'inquiète pas. J'étais justement en train de faire le ménage. Voilà. Tu vas m'aider? On va faire ça. Hein? Allez. Et bon. Bah regarde, justement, j'étais en train de ranger ça. Tu sais plier un plaid. C'est la gourde de Caroline. Oui, tu la touches pas. Voilà. Tiens. Tu rends, tu sais plier ça? Non. Mais tu vas apprendre, tu vois. Merci. Fais-le. Je le fais comment? Non mais t'es bête. C'est ça, plier? Mais non, je rigole pas là! Mais non, mais c'est comme ça, plier! Non, mais je sais faire! Je sais faire! Je fais des choses! Allez, plus vite! Attendez! Vous pouvez m'aider? Non, tu prends de là, déjà! Ça et ça, tu prends! Comme ça. Non! Pas ça! Tu prends ça et ça! Et tu les plies! Okay. Et après, tu prends ça, le bout que t'as plié! Pff, elle comprend rien, tu prends ça, le bébé. Voilà. Et tu plies. Non, c'était pas bien fait là. Bah là, c'est bien, regardez ma. Eh ben, mets-le comme il faut. Comme ça? Oh là là. Allez, donne. Donne. Fais l'autre. Quel autre? Là, l'autre. Tu vois pas l'autre? Déjà que je suis obligée de te garder. Bon, après, je pourrais pas m'occuper de faire le ménage. Alors que j'étais en train de faire le ménage quand t'es arrivée. J'étais pas en train de m'amuser sur mon téléphone ou je ne sais quoi. Hein. Oui, madame. Voilà, c'est bien. Là, tu vois, là, c'est bien. Très bien. Et je plie encore une fois comme ça aussi? Non, non, non. Tenez, madame. Hop, très bien. Allez, fais-moi ça ici.
Voilà. Vous l'avez bien fait. Oui, mais c'est pas fini. D'ailleurs, tu vois. On va se diriger vers la cuisine. Et on va se diriger vers la cuisine. Hop. Donc, j'étais en train de justement vider le lave-vaisselle. Tu vas m'aider à vider le lave-vaisselle. Ok. Ouais, très bien. Comme ça, le temps va passer plus vite aussi. Hein? Allez, toi, tu me donnes les assiettes, moi je les mets. Hop. Tu fais attention. Tu donnes pas comme ça, tu fais attention. La poêle, tu me la donnes. C'est une casserole, mais lui donne la moi aussi. Bon, c'est pas possible. Tu le fais exprès pour pas le faire. Non. Ouais. Alors, tu sais plus. Les couvercles. Ça, c'est les couverts. Oh là là, casser mon lave-vaisselle. Chez moi aussi, hein. Tu crois quoi? Tu crois que c'est le Club Med ici? Tu as un cocktail? Tranquillou? Déjà que je te garde alors que j'ai plein de choses à faire. Bah, je vous fais, ça me charge. Bah, c'est pour ça. Tu vas m'aider. Tu mets ça là-bas. Allez. Ça, tu laisses parce que ça c'est mes verres préférés. Ça, tu touches pas à ça. Il me faut les cuir dedans. Allez, on va faire les couverts maintenant. Voilà, c'est ça, très bien. Voilà, tu m'aides. Voilà, bravo. Maman, fais-le. Ça va être là-bas. Voilà. Très bien. Tu te rappelles comment c'est poussé? Ah oui, et il y avait le bouton là, le bouton magique. Eh oui. Oups. Bon, c'est quoi? C'est là, je dis oups. C'est pas grave si je touche le magique? Si, c'est grave. Je fais ici. Tu te dépêches un peu ou quoi? Oui. Ça va pas très bien laver, on va le remettre. Je vous ai bien aidé. Bref, t'as rien fait du tout. Bah, allez. Ah, oh, c'est mes deux lettres préférées.
toi. C'est pour qui? C'est pour moi. Et moi, je mange quoi ce soir? Bah, ce soir, tu rentres chez toi, en fait. Bah, je suis pas ta mère. Hein. Ta mère qui va te donner à manger. Et si j'ai faim, je fais quoi? T'as pas faim, hein? Bah, un petit peu. Mais tu attends. J'attends, oui, mais je mangerai quoi? Bon, tu veux manger quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, prends un fruit. Vas-y, ça coûte cher en plus, en ce moment, les fruits. Tu vas faire ça. Obligé? Oui, allez, viens. Tu me prends ça comme ça, moi je vais mettre la poubelle dedans. Voilà. Ouais, ça sert à rien ce que tu fais. Pousse-toi. Allez, bah oui, assieds-toi, allez, vas-y. Je suis tombée. Ah bah oui, hein, je suis tombée. Oh là là. Mais non, mais parce qu'en fait, tu tombes en arrière. Non, mais c'est bon, j'ai compris, tu vas pas en parler 4 heures. Oh, c'est la... C'est la quelle heure? Tu touches quoi, là? Non, 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 tu touches pas ça, c'est mon outil de travail. Tu touches pas ça, hein. Je fais mes réunions Zoom avec ça. N'importe quoi. Allez hop, j'ai tout fait toute seule, elle m'a pas aidé une fois. Bah si, j'ai fait ça. Non, mais y a pas de souci. Mais j'ai fait ça. Non, tu l'as pas fait, tu l'as fait vite fait. Non, j'ai fait. C'est tellement pas bien que je suis obligée de venir t'aider. Alors que normalement, c'était à toi de m'aider. T'arrêtes de sauter là-dessus. Oh là là! C'est pour ça que je veux pas de gosse moi dans ma vie. Je sais pas pourquoi ta mère t'a voulu, hein, parce que moi je veux pas de gosse dans ma vie. Hein. Oui, oui, oui. Allez, tiens, jette ça à la poubelle. Ah. Au lieu de faire je sais pas quoi. Je vais toucher mes fruits là. Mais tu m'as dit de te servir! Je t'ai jamais dit ça. Tu m'as dit, ben mange un fruit. Oui, ben tu veux manger quoi comme fruit? T'as qu'à le manger ton fruit. Tu veux manger quoi? Ouais, tiens. Non, celle-là. Mais, tu touches pas tout comme ça, hein, avec tes mains sales. Mais je me suis lavé les mains 15 fois par jour. Là, ça fait 2 fois t'es que menteuse. Je me lave. Mais si, va demander à ma maman. Allez, t'as qu'à manger, moi, je te l'épluche pas. D'accord, je sais faire. Je suis bien gentille de te garder. En plus, je te nourris. C'est normal. Alors attends, ma belle, ça c'est là-dedans, la poubelle là. Mais la poubelle elle est là-bas. Oui, ben, je mets là-dedans et après je vide là-bas. Hein. D'accord, je vais vider. Oh là là. Heureusement que j'ai pas de gosse moi. J'ai pas la patience, hein. Allez, tout soit. Vous n'aimez pas être nounou du coup? Bah non, je ne suis pas nounou. Je fais du bénévolat là pour toi, je te le dis, je suis même pas payée. Carrément, c'est moi qui te donne à manger, qui fait je sais pas quoi là pour toi. Bah quand je vais chez ma copine, ma mère elle paye pas la maman de ma copine. Oui, parce que c'est ta copine, moi je suis ta copine moi. J'ai 40 balais. Je sais pas trop bien fait, mais. Oh bah oui, vas-y, installe-toi, demande pas la permission. Tu peux m'asseoir? Ouais, mais tu touches pas le canapé parce que tes mains sales là, je veux pas que ça salisse le canapé, je te le dis. Non mais les gosses d'aujourd'hui quoi. Moi tu sais, quand j'avais ton âge, je faisais pas ça chez les gens. Mais quoi? Bah j'allais pas m'asseoir comme ça hein. N'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Tu peux m'asseoir? Ouais, c'est bon, tu me l'as demandé une fois, je t'ai dit oui, tu veux me redemander combien de fois par jour? Tu vis. Ah, cause de toi! Tu fais que de parler! C'est pas drôle! Je me suis fait super mal! Oh.
Elle arrive quand ta mère là? J'en ai marre. Ma mère, elle arrive quand? Mais j'en sais rien. Moi aussi, je me demande bien quand est-ce qu'elle va arriver, ta mère. Hein. Parce que là, ça fait quand même 2 heures. Ça fait 2 heures, oui. Oui. Mais je sais pas. Je pense... elle a dit 3 heures. Maximum, donc dans 1 heure. Maximum, dans 1 heure, elle va arriver. Madame, est-ce que je peux prendre le chewing-gum? Oh! Tu vas tout manger chez moi? Tu veux quoi? Tu veux ramener ça chez toi aussi? Et puis vas-y, prends-le! Prends tout, prends-moi aussi! Attends, je suis une gomme. Vas-y, prends. Merci beaucoup. C'est très joli chez vous. Ouais, merci. Bon, vu que je t'ai donné un chewing-gum, tu dois me faire un truc alors. Tes mains sales, tu touches tout le chewing-gum, tout le paquet, tu fais ça dedans. Bon, tu dois faire un truc pour moi alors. Tu vas passer l'aspirateur dans toute la maison là-bas, dans tout le salon. Quoi, ça te plaît pas? Mais tu vas le faire, allez viens. Moi non plus ça me plaît pas de donner un chewing-gum et pourtant je le fais, hein, faut faire des sacrifices. C'est comment ça va? Oui. C'est le salon, tu sais pas. D'accord. Mais tu crois que c'est un jeu? Non, tu le fais comme il faut, tu vas le casser. Ah, il est dans la batterie. Attends, mais allez. Allez, tu vas t'asseoir, tu bouges plus. Je peux m'asseoir? Je t'entends plus, c'est bizarre. Attends, excuse-moi. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit quoi avec ça? Je t'ai dit quoi? C'est un outil de travail, tu ne peux pas toucher ça. Mais là, pourquoi il y a des jeux dessus? Parce que des fois, je joue en fait. Tu peux jouer? Non. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Tu bouges pas. Tu bouges pas, hein?
Ah bah tiens, ça doit être ta mère ça. Allez, va ouvrir. D'accord. Dépêche-toi. L'autre qui fait que de toquer, c'est bon, on va attendre. Maman! Mon cœur. Oui, non. Ça va? Pourquoi? Parce qu'elle me dit que de m'asseoir et de ranger, faire la vaisselle, ah bon, faire l'aspirateur. Que... Elodie? Oui, oui, ça va, Christelle? T'es rentrée? Bah ouais, ça va, ça y est. Que de toquer, c'est là. Ah bon? Attends, hop, j'arrive. Ça va? Ça s'est bien passé? Ouais, super, hein. C'est bien passé? Oui. Bah, demande de Jeff et quoi? Elle a fait quoi? Bah, elle a rien fait, hein. T'as rien fait? Bah, si, j'ai fait le ménage. Oh non, bah, t'as pas fait le ménage, tu m'as juste aidé à faire quelques petits trucs, mais c'est non, normal. Non, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait l'aspirateur. La vaisselle, non, mais n'importe quoi. Donc, tu fais faire à ma fille la vaisselle? Non mais elle n'a pas fait la vaisselle. Si. L'aspirateur. L'aspirateur, oui. Je lui ai dit parce qu'elle a dit qu'elle s'ennuyait. Du coup j'ai dit bah vas-y, essaye de passer à l'aspirateur. Non. Bah si, c'est ça. En plus elle voulait pas que je joue sur la tablette. Bah normal, c'est mon outil de travail. Alors qu'il y avait des jeux dessus. Et alors? Elle voulait pas que je regarde la télé. Bah oui, bébé. Mais c'est n'importe quoi. Je te laisse pas ma fille pour que tu fasses ça en fait. Mais en fait, il faut savoir qu'elle est chez quelqu'un. Et alors, quand tu viens chez moi, bah, je te demande pas de passer l'aspirateur. Je t'ai bien nourri, hein. Bah, elle voulait même pas me donner un cheval. Bah, je te l'ai donné au final. Oui, parce que elle m'a dit que si elle voulait que j'ai un chewing-gum, et ben je devais passer l'aspirateur, j'ai dit d'accord. N'importe quoi. Et elle voulait même pas me enlever la peau de la mandarine. Ah, bah non, elle a qu'à le faire toute seule. Mais quand tu viens chez moi, tu m'enlèves la peau de la mandarine peut-être. Mais c'est une petite. Et alors? Mais quand tu viens chez moi, je te demande de passer l'aspirateur. Bah non, mais si tu me demandes. Je te demande de faire la vaisselle. Bah non. Je te demande de. Mais elle n'a pas fait la vaisselle, hein. Elle m'a juste aidé à vider le lave-vaisselle. C'est une menteuse. Je lui ai donné les assiettes, après j'ai mis, tu vois, les couverts dans leur. Bah oui, mais t'es pas morte. Elle disait que j'étais lente alors que c'était faux. Je faisais aussi vite que je... Elle est lente. En plus. Ma mère traitait. T'as quel âge? 9 ans. À 9 ans, on fait ça? À 9 ans, je pense pas que tu faisais ça. Hein. Je pense qu'à 9 ans, t'étais dans ton lit en train de replier. Je pense. N'importe quoi. Bah, je te laisserai plus, ma gamine. Et ben voilà, elle laisse plus. Ah, bah, je te le dis. Et je vais aller voir le bâtiment à côté. Je vais leur dire que tu fais ça. Tu vas voir. Tu vas voir si t'en rêves, il te dégage pas de l'appartement. Mais n'importe mais quoi. Mais c'est quoi le délire? N'importe quoi, mais alors toi. Non mais vas-y. Moi je vais te dire quoi à toi? Vas-y, viens nettoyer mes toilettes. Non. C'est pas une femme de ménage, c'est un enfant. J'ai pas dit le contraire. Je comprends mieux pourquoi t'en veux pas des enfants, hein. Bah oui. Je sais pas t'en occuper surtout. Allez, c'est bon. N'importe quoi. Oui, je vais chez moi. Elle là. Pas que je m'en fous. Arrête de mentir. Oh là là. Déjà, je garde quelqu'un. Un individu, et en plus on me parle comme ça, et bien super, bravo. Moi je ne garderai plus personne. Alors là, des fois t'es trop gentil, et bien voilà, être trop gentil, voilà. J'ai pas travaillé pour garder la gamine, j'ai manqué un jour de travail, hop, ma gazinière elle est sale, j'ai même pas eu le temps de la nettoyer, voilà. Pour qu'au final, on me dise même pas merci. On va être très bien. Voilà. Tu dois pas aider les gens parce que de toute façon, ils comprendront jamais rien. Il faut toujours s'aider soi-même, c'est tout. N'importe quoi. Je sais pas en fait. Je vois plus maman lui dire que j'aime pas les nounous parce qu'il y a une nounou qui est dedans. Je
je veux pas qu'elle vienne. Bah, moi non plus, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, appelle maman et dis-lui de. Elle va dire non. Si. Ouais, elle va dire non. Tu crois que c'est notre copine ou quoi? Elle est en retard. Elle arrive bientôt, il est 14h57. Non, elle arrive à. À 15h. Non. Si. Non, elle arrive à 14h10, maman m'a dit. Bah, non, il est 14h57. Elle arrive à 15h10. Non, 15h, regarde, c'est elle. Mais elle en avance. Non, 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 c'est 15h. Bonjour. Et bonjour, les filles. Bonjour. Bah là, vous m'avez pas montré. Merci. Hop. Je peux. C'est les claquettes Dior. Où est-ce que je peux les poser pour que ce soit. Là, c'est bon. Non, pas par terre. Hein. Moi, je pose pas mes chaussures par terre. Bah, vous le gardez à vos pieds. Ah non, je peux pas marcher dans votre maison avec des chaussures. Ça par terre. Dans les placards. Dans les placards, sinon. Oui, mais il y a vos chaussures. Mmh. Et oui. Ça va. Petite place. Pas comme ça. Non, non, mais moi, je veux pas mélanger les microbes. Désolée. Parce que vous avez des microbes dans vos pieds et j'ai pas envie de les avoir. Bah, vous voulez faire comment? Mais je sais pas. Vous pouvez être comment chez vous? Je peux les poser sur le tapis au moins? Oui, ou sinon, il y a pas. Non, mais il y a que des chaussures. C'est pas très bien rangé, Deg. Personne va marcher dessus si je les pose là? D'accord, très bien. Eh bien, je suis propre, je peux rentrer. Vous allez bien les filles? Oui. Oui, ça va, moi. Oh, vous avez fait une nouvelle déco? Oui. Depuis la dernière fois? Bah super, il est 15h. Oui. 15h pile, vous êtes ici. Oui. J'étais un petit peu en avance. Oui. Vous me connaissez. Voilà, j'avais dit qu'elle était en avance cette fois. Oui, mais elle avait rendez-vous à 15h, pas 15h10. Non, demande-lui. Stéphanie. Oui. Ma mère a dit que c'était cette fois vous allez venir à 15h10. Non, c'était 15h, on est d'accord. Mais ma mère elle a dit non, c'était 15h, ma chérie. Mais ma mère elle m'a dit 15h10. Non, c'était 15h. Bah, ok alors. Oui. Elle a dit 15h10. Oui. Après, c'est quand même en avance. Oui, vaut mieux être en avance qu'en retard, tu sais. Surtout dans le monde du travail. Hein. C'est pas du tout bien vu d'être en retard. Moi, je suis jamais en retard à l'école. Ah bon? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Eh ben, t'es fatiguée, toi, dis donc. Oui, je suis fatiguée. T'as dormi à quelle heure? C'est pas ton problème. Bon. Maintenant que je suis ici, vous connaissez, quand c'est moi qui viens, c'est mes règles. C'est d'ailleurs pour ça que je suis payée par vos parents, les filles. Donc, hop, on va tout de suite commencer par ça. Ce n'est pas sur le canapé. Alors là, mais c'est pas le canapé, il y a un plaid dessus. Oui, mais c'est un canapé. Je m'en fiche. C'est pas parce que c'est pas tes règles que c'est ta maison, non, non plus. La tablette. Voilà. Non, ça me dérange vraiment. Moi, c'est bon. Ouais. Allez, hop, tu l'as. Ça vous dérange si c'est comme ça? Tu vois? Ah oui, c'est un petit peu sale. Oui, ça me dérange. Et si c'est comme ça? Parce que là, c'est sale. Comme ça. Oui, mais alors tu fais vraiment attention à ne pas poser la pointe des pieds sur le canapé. Bon, c'est bon. C'est comme ça. Très bien. Tu peux voir le dos du pull? Oui, c'est bon, c'est propre. C'est à nouveau. Il y a un chouchou derrière, c'est le tien? Non. Mais prends-le quand même. Bon, ben voilà, très bien. Bon, bah, regarde, bien, mais je vois que. Que j'ai appris. C'est quoi? Oh mon dieu! Ça m'a fait peur, tu me l'as. Tu sais que ça m'a fait mal, hein? Ah, je suis désolée. Ça m'a touchée. Pardon. Bon. Je pose ça là. Bon, je vois que vous avez préparé des non, livres. Non, rien préparé du tout. C'est une mère qui a préparé. C'est votre maman qui a mis tout ça ici? Oui, c'est pas pour oui, c'est parce que je lui ai fait un mail. Elle est gentille. Hein. D'ailleurs, les cartes étaient là. Mon Dieu, tu as touché mon sac là. Ah, je suis désolée. Mon Dieu. Je vais voir tes mains, j'espère qu'elles sont pas sales. Mon Dieu. C'est un peu sale. Oh là là. D'accord. Bon,
les cartes. Ah oui, bon. On est sur l'or. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? On a le droit à combien de quarts d'heure les deux comètes? Je viens d'arriver. Là, voilà. Très bien. Vous voulez faire quoi? On lit un livre? Non. Je vous lis un livre? Non, on n'a pas eu 2 ans et demi. Diana, vous. Bah, dis donc. C'est parti, un au hasard, et hop, celui-ci. Lily veut choisir ses habits. On va commencer par ça. Hop, très bien. Attention, il y a un chat. Oui. Oh, elle est tombée, c'est pas de ma faute. Bon, Lily veut choisir ses habits. C'est parti. Alors, tu peux aller t'asseoir avec ta sœur et laisser le chat tranquille? Il retombe. Oui, c'est faux. Un chat retombera toujours sur ses pattes. Lily, tu n'as rien à te mettre pour le mariage de Juliette. Eh ben, dis donc. Ben si, j'ai ça, qu'elle dit Lily. J'ai ça. Mais non, il faut que tu sois un peu habillée quand même, dit sa maman. Mais je non, suis mais déjà... Moi, pour que tu me lises un livre. Ben, ça te plaît pas? Non. Eh ben, allez, un petit effort. Non. Au moins, tu vas comprendre l'histoire, tu veux pas comprendre. Je l'ai lu 40 fois, ce livre, quand on avait 5 ans. C'est tu t'en bon. Rappelles plus, dis si, donc. Si, c'est bon. Arrête. Quoi c'est bon, je n'ai pas envie. Diana, toi, ça te plaît quand même. Mmh. Ah. Je le lisais beaucoup. Bon, d'accord. Bien, écoutez. Bon, sinon, on fait un puzzle. Vous voulez faire un puzzle? Non. Allez, on fait un puzzle. Allez, c'est bon. Non, vous n'avez pas fait celui-là. Fais-le toute seule. Oh, mais vous n'êtes pas sympa, les filles. Vous n'avez rien fait. Faire, mais pas tout. Une pièce. Bah, ça sert à rien. Si. Une pièce, j'accroche, j'arrête. Après, une pièce, j'arrête. Téléphone. Vous voulez ça? Vous voulez que vos téléphones? Oui. Non, la tablette. Il n'y a pas autre chose qui existe? Si, la télé. Oui. Et autre chose? Oui, l'ordinateur. Sans écran. La nourriture. Vous voulez faire un gâteau? Non. Des crêpes? Non. Vous voulez faire... On veut rien faire. Rien. Le week-end, on veut se reposer, nous. Bah alors, pourquoi je suis venue, moi? Bah, je sais pas. Tu peux partir, si tu veux. Bah, c'est pas gentil de dire ça, hein, Eva. Je te connais depuis que t'es toute petite, dis donc. Oui. Petite. Bah oui. Ouais. Bah oui. Ouais. Moi, je veux dormir. Toi, nos parents, ils t'ont payé pour que tu nous gardes, pas pour que tu nous forces à jouer et pas à prendre nos téléphones. Oui, mais c'est pour passer le temps plus vite. Bah non, ils passent plus doucement, justement. Bah non, j'ai l'impression que ça fait une heure que t'es là, déjà. Bah non. Mais si. Ça fait pas une heure. Ah bah oui, justement. Tellement le temps, il est long. Je sais pas, moi. Bah, vous pouvez pas me proposer au moins un petit verre d'eau? Je veux bien un petit verre d'eau, quand même. Fais-lui la spécialité du chef de Diana. Ah ouais. C'est quoi ta spécialité? Tu veux me faire un cocktail? Oui. Ah ouais, ils sont super bons. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Voilà. J'ai mis des beaux glaçons. Ah bah super. Merci Diana. Eh bah, je suis contente, tu vois. Je suis vraiment contente. Carrément, je me lève. Je me mets debout parce que je suis contente. Tiens, je vais me mettre là à côté de toi, chien. Ça se passe bien? T'as des copines? Tu sors un peu au cinéma? Non, il y a des écrans. Bah, j'y aille, hein, parce que... Oh là là! Non, le cinéma, c'est fait pour ça, dis donc. Et un téléphone, c'est fait pour quoi? Mais un téléphone, c'est fait pour appeler. Une tablette, c'est fait pour quoi? Une tablette, c'est fait pour jouer dessus, très bien, je suis d'accord. Mais... Donc toi, t'es pas sur ton téléphone. Une heure par jour. Toi, tu vas me dire que t'es pas sur ton téléphone. Parce que je suis sur mon téléphone. Mais parce que là, tu es sur ton lieu de travail. Oui, mais je ne suis pas sur mon téléphone à la maison non plus. J'ai pas de choses à faire. D'accord. Donc le soir, avant de dormir, t'es pas comme non, ça. Je lis un livre. Oui, d'accord. Bien sûr. Et ton copain, il est pas sur son téléphone non plus, tu vas me dire. Non. D'accord. Non, on est très bien tous les deux. Bah, vous avez un téléphone fixe, alors oui.
Je mets la paille. Ça a l'air bon, hein, Diana. Dis donc, à ton âge, tu fais des cocktails. C'est vachement bien. C'est gentil, hein, en tout cas. Allez, vas-y. Allez. Bah, elle a pas envie de le boire, par contre. Hein. Mais si, je vais le boire, mais... Allez, vois. Vous avez hâte que je le boive. Doucement, viens ici, viens ici. Viens ici. Pourquoi vous vous embêtez là? Elle veut que je m'assoie sur ses genoux, mais j'ai envie de m'asseoir là, j'ai pas le droit. Bah si, bien sûr. Oui. Mais viens entre nous. Pas un peu. Tu veux bien le mélanger? Oui. Mets-toi comme ça. Ça a l'air bon, hein, dis donc. Elle a pas trop envie de boire, je crois. Non, mais c'est quoi ces petits trucs blancs en dedans? Non, c'est des bouts de glaçon. Je les ai râpés. Ah oui, d'accord. Je me disais, qu'est-ce que c'est? Non, non, c'est... Attention. Merci en tout cas. Allez, ouais. À la vôtre. Hein. C'était dur quand... de rappeler. Après, quand t'auras bu. Tu veux goûter? Tu veux goûter? Après, reprends. Quand t'auras bu, parce que je sais que t'aimes pas boire après les autres. Oui, c'est vrai. Donc, tu bois. Après, je vous propose quand même. Donc, parce que tu bois et après, je vais boire. Allez. Mais t'es agressive, hein, Eva. Ouais, parce que tu m'énerves, en fait. Bois le cocktail. En fait, ça fait truc... Ouais, elle va croire qu'il y a un truc dedans, mais il n'y a rien. Oui, calme-toi, Eva. Non, c'est bon. Mais juste le truc en bas, là, c'est juste... Les glaçons râpés. Oui, non, mais il n'y a pas de soucis. J'ai comme ça, c'est dur. Alors, c'est bon. Ah! Mais vous avez craché sur... C'est pas bon? Tu l'as fait exprès? Non! Mais c'est pas bon, t'es sérieuse là? Ah là, ça me rend triste, vraiment! Tu l'as fait exprès ou pas? Mais non! Mais elle est sérieuse ou ah, quoi? Ah, ça me rend triste! Il est salé! Mais n'importe quoi! Non. Si, il est salé! T'as craché dans notre maison, tu crois que tu prends pour qui là? Ben goûte-le! Mais oui, ben je vais le goûter! T'as du quoi dedans? Voilà! Goûte-le. Voilà. Oh non. Quoi? J'ai confondu le sel et le sucre. T'avais pas écrit. Oh, je suis désolée. Ah, t'as confondu le sel et le sucre. Non, 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 je suis désolée. Ah, mais c'est pour ça qu'il était salé. Ouais, mais du sucre dedans. Ah, je me sens pas bien. Du blanc ou du pot au vert? Non, j'ai pris le pot blanc. Oui, mais du pot au vert. Ah. C'est pas grave. Bon, vous avez craché, vous avez nettoyé. Non, mais moi, j'ai un nettoyer, problème. Tu vas nettoyer ton crachat. Oui, je vais nettoyer. Ouais, parce que c'est bon, elle vient. Tu viens, mais j'ai un problème aux dents. Maintenant, ça va me faire mal aux dents, le sel. Ah, je moi aussi. Mais vous en avez bien un petit peu. Moi, j'en ai pris beaucoup. Bah ouais, mais t'as pris 4 heures à boire aussi. Oh, je suis déçue. Dis donc, je suis déçue. Oh. Je me sens pas très bien. Est-ce que je peux utiliser vos... Oui. Juste là-bas. Allez, juste là-bas. Parce que là, il faut vraiment que je me rince la bouche. Je suis désolée, allez. Mais... Je vais te rincer les dents. Hop. Merci, les filles, en tout cas. Je suis à l'hôpital. J'ai fait un accident. Malaise, mais non, j'ai fait un malaise. Sur le plan de travail. Non, j'ai fait un malaise. Malaise en mangeant. En mangeant quoi? En mangeant un burger de chez McDo. En mangeant, voilà, j'ai fait un malaise en mangeant. C'est bon. Ça va? J'arrive. C'est bon? Ouh, un maximum de bruit pour Stéphanie. C'est gentil, hein. Bon, ça va un peu mieux.
Alors, tu nous as dit que vous allez faire quoi comme cadeau pour ton copain à Noël? Une montre connectée. Ah, il aura le droit à combien de temps sur la montre? Parce que bon, temps d'écran, une heure par jour. Ah non, mais non, parce que lui, il va pas beaucoup l'utiliser parce que c'est un grand sportif. Ah oui, quoi. C'est un grand sportif. Il connaît les chronomètres. C'est pas du tout. J'en ai une, moi. Mais elle ment. C'est pas un sportif, je l'ai déjà vu. Eh bien, il s'est mis au sport. Hein. Il aime bien les pizzas, quoi. Non, il aime bien courir. Hein, et... Non, non, tu mens. Si. T'as honte? Non. T'es en train d'insinuer quoi? Bah, je sais pas. Que mon copain, c'est quoi? Un lardon, peut-être. Un gros lardon? Un gros lardon. Mais un gros lardon tout mignon, un gros nounours. Non, c'est pas gentil de dire ça. Mais hé! Hey, c'est toi que tu parles méchamment de lui. J'ai insinué que mon copain c'est un gros lardon, c'est pas gentil. Mais ça veut dire quoi? Un gros lardon c'est forcément moche? Oui. Pardon? Non, non, non. Non, mais il fait quoi comme travail? Il est chez EDF. Chez EDF. Je suis désolée. Bah, non, réponds. Pour lui, hein, parce que. C'est bon, ça devrait déranger pas, on dira personne que ça sera entre nous. Vous êtes sûre? Ouais, allez, réponds lui, il fait mal à la tête. Ouais, parce que là, je. Allô? Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je suis au travail là, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que. Mais je suis pas du tout à l'hôpital. Hein. À l'hôpital? Pourquoi tu serais à l'hôpital? Bah oui. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah non, non, non. Il se trompe de copine, je crois. Hein. Je ne t'ai pas du tout envoyé un message pour te dire que j'ai fait un malaise en mangeant. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais là, ton téléphone il bug, oui. Toi, hein, c'est possible. Non, 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 mais tout va bien, tout va bien. Je sais pas du tout ce que tu racontes. Allez, je suis au travail. Allez, c'est bon, tu m'énerves. Allez. Je ne t'ai jamais envoyé ce message, donc je sais pas du tout qui c'est qui t'a envoyé ce message. Je pense, oui, que Eva a raison. Tu te trompes de femme. Oui. T'as dû confondre. Qui parlait avec sa maman? Non, 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 oui, non. Non. Sa mère, elle est morte. Ça te fait rire? C'est pas gentil. Je te laisse. Allez, ciao. C'est pas la peine de rentrer ce soir, je te le dis. Parce que là, vraiment, je sais pas qui c'est qui a fait un malaise, mais t'as qu'à aller voir la femme qui a fait un malaise. Qui est à l'hôpital. Allez, salut. Salut. Fallait pas répondre. Fallait pas répondre. T'as pas dit que fallait pas répondre. Je suis désolée. Toi, tu vas faire un malaise. Bon, c'est pas grave. Je vais te faire un truc. Lève-toi. Lève-toi. Tu vas me faire quoi? Un petit massage? Oui, allez, lève-toi. C'est vrai? Oui, lève-toi. Bon, c'est gentil. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Alors, prends la main ici. Lève-toi avec une main. Prends la manche. Laisse la manche. Oui, à moi. Tu vas détendre tes jambes comme ça. T'es sûre? Oui, que tu fais? Oui, non, t'inquiète. Tu me fais pas mal, hein? Non, non. Voilà, on se rapproche bien. Voilà, plie un peu. Là. Ouais! Tu m'as fait mal, c'est pas drôle ça! Tu l'as fait exprès, Diana? Non, je croyais que t'allais. Parce que, en fait, je pensais qu'il fallait. À la cuisse, à la jambe et au dos. Et en fait, ça va. Fallait atterrir comme ça, c'est de ta faute! C'est de ma faute. Bah oui, fallait atterrir. C'est ma faute en fait. Aïe, mais elle m'avait pas expliqué ce qu'elle allait faire. Aïe, j'ai très mal. Bah oui, parce que si j'allais expliquer, t'aurais dit non, t'aurais pris peur. Donc, c'est pas de ma faute, hein! Si elle ne sait pas atterrir comme il le faut. C'est vrai ça. Il faudrait mieux que tu partes. Hein. Ouais. Je pense que t'es fatiguée. Voilà, j'en ai marre. Ouais, ouais. On est rentré. Hein. Il y a un jeu de société en bas. Où ça? Il y en a plein bah, dans la cave, si tu peux aller les chercher. Parce que oui, tu voulais lequel? Vous avez le Monopoly. Prends celui que tu veux, ouais. Non, le Monopoly. Le Monopoly est un que t'as envie. Oui. Okay. Soit Monopoly, soit Uno. Trop bien, je suis contente les filles que vous décidiez de ça. Parce que t'es gentille. Oui. Bah c'est vous. Et bah, c'est là la porte. Ah dans la cave? Ouais. Ah, tout en bas? Oui, tout en bas. J'y suis jamais allée. Mais y a la lumière elle marche pas. Ah ouais? Non la lumière marche pas. Bon bah prends ton téléphone au moins. Ouais, je mettrai le flash. T'as pas peur? Oh, j'arrive, non. Dis donc. Attends, je vais vous montrer que c'est la cave. La lumière ne marche pas. C'est bon, laisse la porte, elle fonctionne pas trop. Oui, c'est à cause du tableau.
T'as fait un petit peu peur, vous voulez pas venir avec moi les filles? Non, il y a des araignées du coup, j'ai un peu peur. Allez, vas-y, t'inquiète. Moi aussi j'ai peur des araignées. Pas de raison, ben. Bah. Oui, non, mais j'ai juste besoin de mon flash, j'arrive. De toute façon, hop, allez. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Attends, la porte elle est bloquée. Qu'est-ce que vous faites les filles? La porte elle est bloquée. Ouvrez-moi, je vois rien, il fait tout noir ici. Mais la porte elle est bloquée. Oh là là, attends. Aidez-moi. Mais tu vois bien qu'on essaye. Attends. Ouais, c'est bloqué. Appelez vos parents. Mais ils sont pas là, ils sont à 6 heures de route. Hein. Maintenant, s'il vous plaît, j'ai trop peur de là. Bon, attends, pousse-toi de la porte. Je vais faire un truc, ok? Oui. Un, deux. Ça va? Oh, mais c'est une cave. Hein, non, mais j'ai eu très peur. Ah, mais c'est pas de ma faute. Non, c'était pas. Mais me crie pas dessus. Non, là, ça suffit. Bah, tu vas repartir dans la cave, hein, je te le dis. C'est moi. C'est toi qui vas y aller. Je sais que vous l'avez fait exprès. Mais non, regarde. Non, tu me prends pour une bête. Non, regarde. Regarde, mais montre-lui. Oui, d'accord. Mais oui, mais là, ça marche. Oui, comme par hasard. Ouvre-la. Regarde. Non, c'est bon. Regarde, je m'en fous. Elle bloque. Oui, elle bloque en l'ouvrant, elle bloque en la fermant. Elle bloque. Bah, oui, regarde, depuis le début, vous me faites ça. Regarde. Non, Diana. Ah, oh, tu la touches pas. Non, depuis tout à l'heure. Moi, tu sors, c'est moi. Ouais, je vais y aller. Je vais prévenir vos parents aussi. Préviens-nous, on va leur prévenir la boisson. Je vous ai rien dit. Non, on va leur prévenir le téléphone. Ton mari, là, ton copain. Ouais, ben, je vais prévenir aussi que vous avez touché à mon téléphone personnel pour parler à mon copain qui ne fait pas partie du... Si, vous avez fait ça, je le sais. J'ai regardé en étant là-bas dans la cave. Oui, parce que maintenant, on a envoyé une message. Je connais pas ton code. Mais donne-lui son sac, elle se barre. On connaît pas ton code. Allez. On connaît pas. Vraiment, toi, t'es folle, hein, t'es parano, hein, ma grande. Il y a les horaires. Mais on n'a pas ton code. Vous l'avez envoyé. Mais c'était peut-être un esprit dans ton téléphone, on n'a pas ton code. C'était un très bien. Tu t'y connais en internet. Derrière le truc là, tu faisais moins la maline, hein. Mais c'est pas grave. Allez, va dehors. Moi aussi, je vais t'enfermer, on va voir si tu fais la maline. Enfermement, on verra bien. Allez, merci, bonne soirée, à jamais. Oh, m'a gavé. C'est la fête, j'écoute pas les ragots. Hey, si y'a mon accord, il faut me blader la dos. Si ploto, elle est belle, elle veut une photo. Regarde là, elle sait même pas conduire. Viens, lui faut le portail. Elle va se débrouiller, ma grande. Elle est où, voilà. Ah, ils sont là, notre fille. Tiens, prête. Ah, mais j'appelle ta maman, elle m'appelle. Allô? Ouais, ça va et toi? Ouais, non mais trop bizarre aujourd'hui, elle était trop triste, énervée, en plus elle a eu un problème avec son copain. Elle nous a tout mis sur notre faute et elle est partie, elle a dit oui moi je peux plus vous garder tout, je vais dire à vos parents que je peux pas tout ça. Donc après c'est pas grave, hein, moi je peux garder Diana. Hein. Ok, ouais de toute façon vous arrivez, ouais super. Allez. De toute façon vous êtes juste à 10 minutes. Ouais. Bah vous avez fini la route là, ok. Bisous à toutes. Mon bébé. J'arrive. Ça va pas. Oui, ben viens. Oh là là, il n'y a pas besoin de claquer comme ça, mon chat, hein. Qu'est-ce que tu fais, là? Cécile? Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Rien, on m'a mis du rouge dans mon carnet de liaison, je suis énervée. Bah viens dire bonjour à maman quand même. Non, c'est bon, je suis partie depuis 10 ans, c'est bon, je te vois tous les matins. Bah oui, on s'est pas vu. C'est trop pour moi.
suis ta mère. Oui, bah oui, quelle surprise. Comme si je ne savais pas que c'était ma mère. Tu veux pas m'en parler? Non, c'est pas ton souci. Bah si, c'est mon souci, c'est ma fille. Ah. Vas-y, descends, viens voir. Non, je descendrai pas. Allez, viens. Je descendrai pas. Viens, on va discuter. Non. Je discute déjà trop à l'école en faisant de l'oral. En plus, j'ai rien fait, j'ai juste parlé pour dire qu'est-ce que c'est l'exercice. En plus, c'est super sur l'exercice, j'ai rien fait. Ils me mettent. J'en ai marre. Oh, je me suis trompée, il fallait que je mette du pantalon! Et voilà, je casse tout, j'en ai marre! Ça veut pas s'enlever, j'en ai marre. Allez, on y est pour demain, pour aujourd'hui, là. Je t'enlève. Oh. Voilà, bah, ils en ont mis hein, du temps à s'enlever ce truc de malheur. Quoi? Non. Bon, attends. Trois. J'arrive. Oh, mon frère, c'est pas bien. Il est nul. J'arrive pas à mettre ce truc. J'en ai marre. Quelque chose. Oui, j'ai faim. Tu veux manger quoi? Je sais pas. T'as pas fait à manger? Mais c'est le goûter là. Bah, tu veux que je mange quoi? Je t'ai acheté tes tartelettes préférées. Bah, ramène-en. Qu'est-ce que tu fais à être assise? T'es pas gentil hein, de parler comme ça. C'est bon, à l'école on me saoule. À la maison on me saoule. C'est quand qu'on va me laisser tranquille pour une fois? Mais je t'ai pas saoulée justement, je vais te ramener à manger, tu pourrais dire merci merde. Voilà, à cause de toi, je dis des gros mots. Oh là là. Voilà, et après tu dis c'est moi. La fautive, mais c'est toi, ça va être ton langage un peu. J'en ai marre. Oh. Okay. Bon, on est pour quand? Pour maintenant ou pour demain? Je l'ai fait... Je l'ai cassé sans faire exprès. Tiens. Et c'est quoi ça? C'est la tartelette. C'est juste qu'elle s'est coupée en deux, ça en fait. J'ai pas fait exprès. Non. Alors là, ça c'est pas gentil. J'en veux pas, j'en veux. Alors là, non, ça c'est vraiment pas gentil. J'en veux une autre, j'en veux une autre. J'en veux une autre chaise. Hé hey. Je veux une tartelette comme il faut. Non, tu manges celle-là. Non. C'est la même chose. Non. Elle est tombée. Elle est pas tombée. Non. Elle est pas tombée. Tiens. Hé hey. Elle est pas tombée. Non. Elle était juste coupée. Oh là là. Bon, allez, c'est bon. Tu fais tes colères encore, tes crises. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai déjà dit. J'en ai marre. Ok. Oh, c'est pas possible voilà. D'être comme ça. L'autre, je vais la manger moi-même. C'est pas grave. Tiens.
ça me gêne. Mais ne t'inquiète pas, merci. Oh, il y a une feuille. Oh là là, j'en ai marre. C'est bon, tu as raconté. Alors, rien que la feuille. La feuille de la fraise. Tu en mets tout partout. Non, ça me fait mal, ça me gratte. Non, mais ça, il faut le mettre parce que sinon. Tu abîmes la table. Mais ça me fait mal au coude. Ben tu mets ton coude là-bas. Mmh. Je ne veux pas. Il est où mon glace? Il est pas là, il est où? J'en ai marre, il était là. Colère. C'est quoi? Moi? Je sais même pas parler. Je suis la colère! Jette pas mes poupées! Non! Je suis toi! Je suis la colère qui est en toi! Non! Je suis pas. Non! Crie encore une fois. Non! Arrête! La colère, c'est à cause de toi. Mais quoi? Mais t'as été en colère. C'est pas ta colère. Si, t'as crié et encore crié. Il faut que t'ailles t'excuser à ta maman et arrêter d'être en colère. Ok. Je vais aller dire un peu. La prochaine fois, ce sera la tristesse qui sortira, ou peut-être la peur. Mes amis. Allez, va t'excuser. Vite. Ok. Maman. Maman, je suis désolée.
qu'est-ce qui se passe? Non, là, j'ai entendu crier, hein. Alors là, c'était un truc horrible dans la chambre. Pourquoi? C'était quoi? C'était la colère, elle est venue monter. Mais c'était toi qui étais en colère, oui. Mais c'est notre colère, elle était venue, elle a sorti de ma bouche. Ah, tu t'es vidée dans ta chambre. Oui. Donc là, t'as plus de colère? Non. Elle est partie? Oui. Maman, elle a cassé tous les trucs dans la chambre. Quel truc? Ouais, elle a renversé la poubelle, viens voir. C'est toi, hein? Non, c'est pas moi, c'était la colère qui est sortie de ma bouche qui l'a fait, c'est pas moi. Moi, je suis là en train de regarder, j'ai eu peur. Oui, mais c'est toi. Non. C'est dans ta tête, ça. Je te promets, ici. C'est pas moi qui l'a fait, j'étais assise, j'avais trop peur. Regarde, elle a jeté mes poupées par la fenêtre. Tu vois, ta dent, elle va tomber. Oula, elle va tomber. Elle va tomber aujourd'hui, je pense, ta dent. Tellement t'es en colère, là, carrément, tes dents, elles tombent. Bon, tu vas ranger ta chambre, hein, c'est toi qui le fais. Non, mais c'est pas moi, ça doit être colère. Non, ça doit être rongeuse. S'il te plaît, va ranger ta chambre. D'accord, maman. Mes poupées. On va mettre ton sac et ton manteau là. Oui, juste après. Mes poupées. Oh mon bébé. Désolée, ma petite Aurore. Je vais te recoller la tête. Ah, ça va mieux, Aurore. La colère, elle a fait ça. Je suis désolée, ma petite Aurore. Et je suis désolée, Agathe. Désolée, Barbie. Désolée, Léna. Désolée, Maria. Désolée, William. Désolée, Aurore. Désolée, Mélissa. Désolée, Marie. C'est toi, je t'adore, Oreo d'amour. Viens, Oreo, moi. Oh oui, je sais, toi aussi t'as peur. Mais oui, tu l'as vu, toi, t'étais là. T'as vu comment elle était méchante, elle était énervée, Oreo. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oreo, je t'aime. Oui, j'ai rangé. T'as fait tes devoirs ou pas encore? Oui, je les ai fait. Non, tu les as pas fait. Si, je les ai fait. Je les ai tout fait. J'ai tout fait. Je t'ai pas vu faire les devoirs là. Je les ai fait à l'école. Ah, ok. Tu veux manger quoi? Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Si tu veux des brocolis. C'est vrai? Oui, si tu veux. Ok, bon, bah je t'attends. Il y a papa qui va arriver bientôt, ok? D'accord. Allez. En plus, aujourd'hui, c'est son adversaire, non? Oui. Ah ouais. Oreo! Salut tout le monde! Tu peux faire la vidéo ou pas? C'est trop demandé. Non, c'est relou, là. Elle dit qu'elle se sent pas bien dans ma chambre. Hello, guys! Doucement. C'est l'heure. Qu'est-ce qu'elle a fait à 3h du matin, la meuf fait ça? Voilà, bon, on va vous raconter un petit truc. C'est que on s'est dit avec Eva, on s'est dit qu'on allait tourner cette vidéo parce que vu que en fait c'est le week-end et que bah, souvent avec Eva bah genre on dort pas le week-end, enfin jusqu'à genre des 4-5 heures du mat. On dort jamais en fait. Du coup on s'est dit pourquoi pas tourner une vidéo. Parce que des fois on fait des trucs drôles. Ouais. En plus là on n'est pas fatigué et tout. On a un petit peu faim. Donc voilà ce qu'on fait. À 3h du matin, Eva toujours ses TikTok.
Mais ne vous inquiétez pas, demain il n'y a pas cours. Ne commencez pas à dire. Oh oui, mais même. On est samedi soir. Bref, de toute façon, venez sur mon TikTok s'il vous plaît, il est affiché ici. Alors, je vous explique un peu ma chambre parce que je vois qu'il y en a une qui critique beaucoup. Alors, mais je vous explique un peu ce qu'il y a. Du... Alors, il y a. Par exemple, il y a les autres qui dorment. Il y a Diana qui dort. Elle est juste à côté. En plus, je lui ai dit, je me sens pas bien dans sa chambre parce qu'il y a énormément de choses. Genre, même dans son lit, je suis désolée, je me sens. Mais c'est parce qu'il y en avait, ils étaient sur ma chambre. C'est quoi, quoi. Alors, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans ma chambre. Un room tour avant l'heure. Donc, une petite cire pour les dents. Pour les bagues, c'est très important. Un truc pour laver... Devine ce que c'est. J'ai pas envie de deviner ce que c'est. Un truc pour laver les gourdes. Nickel. C'est quoi ça? C'est une calculette. Tu vois ça, ah, c'est pas ce que c'est. Par mon prof de gestion, il veut trop que je l'ai. Donc hop, on va la mettre ici. Ma carte de lycée. Comme vous savez, on est en déménagement. Enfin, on est en déménagement. Genre, on n'a pas encore nos chambres qui sont faites et tout. Du coup, je dis à Eva, mais pourquoi c'est comme ça ta chambre et tout? Genre, c'est le bordel. Je lui dis, ouais, pourquoi t'as la chambre qui est comme ça? Genre, c'est en bordel et tout. C'est dégueulasse, quoi. Oh, elle me dit, mais parce que ma chambre, elle est pas encore finie. Non, mais j'ai... Je lui dis, mais justement. Non, mais j'ai... Si tu commences à faire le bordel comme ça, j'ai... tu pourras jamais finir. Lion. Bref, non, mais parce que regarde, en fait, j'ai rangé mon maquillage, tu vois. J'ai rangé mon maquillage, sauf que maman elle m'a dit, voilà, t'as trop mal rangé et tout, parce que moi j'ai pas d'autres maquillages en fait. Alors, je vous explique un peu ce qu'il y a. Donc là, on est en milieu de tout. Voilà. Un cahier. Ça, pourquoi il y a un cahier? C'est un cahier de mathématiques, je crois. Oui. Elle reconnaît ses cahiers, bravo Eva. Bravo. Non, mais ça, on s'en fout. En gros, juste pour vous expliquer ce qui se passe. Déjà que les gens, ils en bavent en cours toute la semaine. Ok, vous êtes prêts? Parce que les gens, ils disent en cours, qu'est-ce que je fais? J'essaye de travailler. Et je... Non. Là, regarde, un jour où j'ai vraiment travaillé, mais j'écris trop mal parce que j'ai la flemme. Encore un autre. Des jours où j'ai encore travaillé. Un jour où j'ai encore travaillé. Ça se dégrade. Un jour encore où j'ai travaillé. Ça se dégrade. Ça, c'est quand je m'ennuie, ça. Je commence à faire des petits trucs. Mais prends une feuille, fais-le sur la feuille. Pourquoi tu veux le faire sur ton cahier? Et ensuite, je n'ai plus jamais rien écrit dans ce cahier. D'accord. Bref, on s'en fout de ça. Ah oui, regardez ce qu'il y a. J'aime bien faire ça. Genre, je prends une feuille comme ça et j'écris salut, salut, salut. Genre, j'écris plein de salut. Pot de gel, on va ranger un pot de gel, un mascara à ma mère. Ah oui, sachant que tout mon maquillage, c'est à ma mère. Ça, c'est à ma mère. Ça, c'est à ma mère. Ça, c'est à ma mère. J'ai pas le pire ces trucs. Parce que, oh, regarde les styles d'enfer qu'il fait. Celle-là, le Dior. Ça, je sais pas ce que c'est, c'était dans ma chambre. Une rallonge. Elle est même pas au top de ça. Un coca. Un autre coca. Ça fait la grosse. On peut voir qu'elle est fan de coca. Quelques conseils pour ne pas décoller les bagues. Toujours besoin. Là, c'est la poubelle en fait. Ce après, c'est... vous allez voir ma chambre. Mais MT, non, 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 non. Non, si, si, si. Non, non. Non. Bah, j'ai envie de montrer ma chambre. Non, parce que... sinon tu la montres pas. Là, vous juste faire exprès, d'accord. La dernière fois, j'ai rangé ma chambre. Hein. Quand Pauline elle est venue à la maison, on l'a rangée toutes les deux. Et okay. C'est juste que. Quoi? D'accord. La dernière fois, c'est moi qui t'ai rangé ta poubelle sur ta oui, mais ça, c'était avant que Pauline elle arrive. Oui. Mais quand Pauline elle est arrivée et tout, on a rangé. Sachant que, voilà, Pauline c'est ma copine, on est venu, on a tout rangé. Et c'est juste qu'en fait, bah, je refais à chaque fois. Bref, ça, je sais pas ce que c'est. Regarde aussi, il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Mais pourquoi tu gardes alors? Mais je sais pas d'où ça sort. Ça en fait, ça s'est pété en fait. Regardez. En plus, ça il faut pas en utiliser apparemment. Mais moi j'utilise. C'est assez pété. Du coup, je n'utilise plus. Ah, mais non, on t'aura laissé le casser. Le parapluie de Pauline qu'il faut que je lui rende. Ça c'est parce qu'en fait, un jour j'ai nettoyé ma table et je l'ai laissé là. Ça, ça, ça. Alors c'est des cotons-tiges, mais c'est pas. Elle se nettoie pas les oreilles avec. Hein. Non, ne m'inquiétez pas non plus, elle est pas dégueulasse à ce point-là. Faut pas abuser, non, c'est pour mon mascara. Elle retouche son mascara. Regardez. En fait, ma brosse, elle est dégueulasse. Genre, vraiment, vous voulez que je vous montre. C'est pas grave. Mais après, c'est des cheveux, hein. C'est normal, c'est une brosse avec des cheveux. C'est pas dégueulasse. C'est pas ça qui est dégueulasse. Regarde, je crois que ça, c'est dégueulasse. Regarde. Oui, mais c'est de la cire. Oui. C'est pas dégueulasse. Mais genre, elle dégoûte. Oui, mais genre, c'est de la cire. Ah, tiens, c'est nickel. Alors, ensuite. C'est ça qui est dégueulasse. Un petit peigne. Tu l'as volé à moi. Ouais, parce que t'en as un autre. Tu peux demander. Non.
Hop, ensuite. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Un couteau, on aurait peur. Parce qu'hier, j'ai mangé le riz. On aurait peur. Non, j'ai fait mon couteau là. Un petit émaquillage. Là, il y a le bordel, mais laisse. Non, je sais pas comment faire. Mais en fait, je suis désolée. Mmh. Mais genre, là, je reconnais tout ce qu'il y a à l'endroit. Alors, je voudrais que vous allez voir. Non, mais c'est beau. Vous allez voir. Oh. Tout ici, tout au fond, il y a ma houppette. Ensuite, il y a mes trucs pour sourcils. Mais tu ensuite, il y a mon truc pour blush. Parce que, en fait, le problème, c'est que maman, elle croit que genre, moi, je fous le bordel parce que je fous le bordel. Rien à voir. Non, mais si tu je me reconnais dans mon bordel. Tu fous trop le bordel, c'est ouf. Des dingueries. Encore. Encore et toujours. C'est une dinguerie. Ça, ça. Un petit clou. Bon, des chewing-gums. Elle a du PQ, mais tu sais que. Mais tu sais pourquoi j'ai du PQ? Est-ce que t'es venue demander même? Est-ce que pourquoi, t'as dit pourquoi t'as du PQ? Pourquoi? Parce que tu t'essuies ici? Non, 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 non. Je l'ai utilisé qu'une seule fois et je suis allée le chercher avant-hier. Parce oui, que ça fait quand même deux jours qu'il est là, le mec. Parce que. Un peu plus. Parce que Oreo, il a pissé derrière le miroir à 2h du matin. Donc je suis allée chercher ça pour nettoyer. D'accord. C'est tout. Et tu prends, tu vas aller le c'est là parce que je sais qu'il va repisser dans ma chambre et que j'ai pas envie de ressortir en fait, j'ai la flemme. Avec son Oreo. Ah oui, et ça faut que je le lève parce que. Tu regardes, j'ai ça, je savais pas. Ça qui c'est de merde. C'est à moi ça. Et pourquoi il est là? Et ça veut dire que ton... le soutif là-bas, c'est à toi aussi alors. Mais qui c'est qui l'a mis ça? C'est toi qui l'as mis? Au nom de Dieu que je l'ai pas mis. On fait pas trop. J'avais pas prévu de vous montrer ma chambre. Mais genre. Je veux juste vous montrer que moi c'est le bordel, mais c'est un bordel normal. Ça veut dire que, genre pour moi là, c'est le gros bordel. Là, genre j'ai pas rangé. Genre je suis dégueulasse pour moi. Grosse mythomane. Je vous jure qu'elle est. Et là encore, je suis dégueulasse. Hein. Et là, arrête mais j'ai de juré pour moi là, c'est le bordel. Oui, c'est le bordel, mais ouais. Quand c'est vraiment le bordel, arrête de mentir. Hein. Ouais, la salle de bain, quand c'est le bordel, La salle de bain, elle est jamais en bordel. Hein, pour... Non, elle est pas en bordel, sa salle de bain, elle est sale. Elle est jamais en bordel. Mais normal, je me lave, je fais des trucs dedans, donc c'est normal. Quoi? Et genre là, j'ai pas fait mon lit parce que mon c'est lit. C'est pas toi qui as dit, prends pas un grand miroir. Pas fait. Hein? Bah oui, mais je pouvais pas prendre un petit miroir avec un ça. Non, mais alors elle est drôle quand j'ai pris mon miroir. Mais il est trop grand! J'ai juré, il est moins grand que le tien. Celui-là. Toi, il fait 130, moi, il fait 120. Ce miroir, par contre, il est trop beau. Bref. Donc voilà, mais moi mon lit je l'ai pas fait parce que bah, déjà je dormais dedans là juste avant de faire la vidéo et aussi parce que faut que je change les housses de couette et tout. Tu fais jamais ton lit. Mais ferme là. Quand on habitait dans l'autre maison, c'est qui faisait le lit tout le temps dans cette maison? Bah voilà, à chaque fois que je reviens à ta chambre, il n'y est pas le lit, il est comme ça. Mais normal, j'ai pas mis ma couette. Bah voilà. Mais quand j'aurai ma couette, moi, t'inquiète pas, quand j'aurai un beau lit, t'inquiète pas. Regardez, bah tiens, hop, pour que vous me croyez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelqu'un tu qui veut quoi ton disque d'un ici? Ouais. Non mais, cadre photo. Attendez. Me dis pas que c'est les AirPods parce que... Non, c'est les miens en fait. T'as pas de AirPods? Si, là. J'en ai. J'en avais, t'étais pas née. Ouais. Oh. Regardez comment c'est vraiment beau. Ouais, ouais, voilà ma couette. Mais ouais, mais elle croit qu'elle m'a mis quoi, des disques d'or quoi? Mais elle est débile ou quoi? C'est un cadre photo. Il y a marqué cadre photo. Je sais pas pourquoi t'as pris gris alors que ton truc il est doré. Hein. Ouais. Ah, mais toi t'as déjà installé tes miroirs et tout. C'est à quoi ton miroir? C'est des miroirs de déco. Tu m'as pas te regarder. Ah oui, c'est des miroirs de déco parce que j'ai un miroir là. Donc si tu veux te regarder, c'est là et là. C'est pas là. Moi j'en ai pas, tu vois. Tu vois? Ah. Tu vois, ça c'est du favoritisme. On va tourner une vidéo dès qu'on va ça vous fait nettoyer nos chambres. Ah, mais c'est allégé. Classic. Dès qu'on va décorer nos chambres et tout, on va te punaise. Oh, regardez, c'est qui va faire ça? Dites. Sur 10, il est sale. On s'en fout, dites. Voilà, tu vois, il est sale. Est-ce qu'on s'allie un pull comme ça? Dites ça. Non, en vrai, ta chambre, c'est un pull. J'accumule, dites en vrai, il est beau sur combien? Sur 10, il est beau combien? Tu vas voir, tout le monde va dire, il est trop beau. Bah oui, il est trop beau. C'est le meilleur du monde. Il a coûté cher. Eh, vas-y, dis. Quand je suis contente d'un truc, c'est quoi mes mimiques? Qu'est-ce que t'avais dit la dernière fois? Non, tu étais contente de quoi déjà?
que Mbappé me fait coucou. Voilà, apparemment. C'est pas apparemment, au nom de Dieu, il m'a regardé, il a fait coucou. Oui, c'est bon. En gros, on est allé au Parc des Princes. Au PSG. Ouais, bah, Parc des Princes. Et en fait, on a été voir un match et tout. Et à la fin du match, il y a les joueurs, vous savez, qui passaient. Et moi j'étais là. Elle poussait tout le monde. Alors, elle poussait tout le monde et tout, tu vois. Et genre, moi, j'étais là et tout. Et en fait, moi, je me suis mis... Parce que moi, je suis toute petite, je vois rien. Du coup, je me suis mis derrière un mec qui disait coucou à un autre mec. Et j'étais derrière lui parce que lui, il se baissait comme ça. Et du coup, je pouvais un peu voir. Dis-toi, attends, dis-toi. Et moi, il y avait un enfant devant moi. En fait, moi, j'étais vraiment dans un côté où il y avait genre un enfant, une meuf là et un enfant. Et l'enfant, il était là, papa, porte-moi. Et moi, je m'étais entrée en mode, MDR, il n'y a personne qui va te porter. C'est moi, je vais être devant. Et ouais. Là, il y a Mbappé et tout qui arrive. Et, genre, et là... En fait, moi, j'avais peur de crier en mode Mbappé et tout. Genre, j'avais pas envie de faire ça, c'est gênant, tu vois. Du coup, j'ai rien dit. Bah, normal, t'allais pas faire ça, mon Dieu, si tu faisais non, ça. Non, il y a plein de gens qui le font en soi. D'accord, c'est bien. Il y a plein de gens qui le font. Et du coup, il est passé tout. Et moi, je voulais juste qu'il me regarde, tu vois, mais je savais pas comment faire. Et là, les deux petits à côté, Mbappé, Mbappé, Mbappé. Et là, ils se tournent, ils nous regardent droit dans les yeux. Mais genre, ça a duré. Il regardait les petits. Non, je te dis, mais en fait, vous comprenez pas. D'accord, bon, il a fait comme ça. Il a fait coucou et tout. Genre. Et du coup, elle arrive, mais elle est floue. Elle arrive, elle fait allez, c'est bon, on peut y aller. Et moi, je dis qu'est-ce qu'il y a? Allez, c'est bon. Mbappé, il m'a regardé, il m'a fait coucou. Allez, dab, on peut y aller. C'est bon, allez. Blah, blah. Et elle commence à faire des vocaux à ses potes. Mbappé, il m'a fait coucou. Allez, dab. Mbappé, il m'a fait coucou. Allez, c'est bon, allez. Blah, blah, blah. Vous allez, ça. Non, je sais pas si vous avez ça. T'étais là, Allez, elle faisait des trucs comme ça, mais vraiment. Mais Mimic, et moi j'étais là, d'ailleurs. Allez, sûr on y va. Mimic, c'est trop ça, genre. Allez, bah. On dit le débile, hein. Ah, voilà, t'as le sommet, tu vois, elle vient dire. Non, j'ai pas dit ça, mais bien sûr que j'ai dit ça. Viens, on va manger un truc. Tu veux pas me mettre des bisous, tu me stresses. Non. Parce que j'ai jamais regardé l'heure. Allez, on... Je connais même pas l'heure. C'est peut-être un truc. D'accord. Vous savez qu'il sait pas dire l'heure sur une montre. Regarde. Ouais, parce qu'à moi. Mais quoi, j'en ai marre que tu montes. Le jour où on est parti acheter cette montre, j'ai dit, vas-y, il est quelle heure là? Elle a fait. En plus, elle est devant la dame. Moi, j'étais trop gênée. J'ai paniqué. Moi, quand on me pose des questions devant les gens, je suis désolée. Genre, je me dis, pourquoi elle fait ça? Du coup, j'ai paniqué, j'ai dit non, je sais pas l'heure. Alors, mais c'est pas si juste l'heure. C'est pas grave, on peut dire qu'on est, le genre de personne qui achète des montres juste pour faire beau. Non, je sais lire l'heure. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu sais lire l'heure quand tu dis 5, 10. Voilà, pas du tout. Ok. Vous dire, elle a dit il est 3h35, il est 3h22 maintenant. Il est 3h22. Elle fait, bah si, regardez tout. La mytho. Tu veux pas regarder son défaut tellement je te fais confiance. Mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai confondu la grande aiguille à la petite. Et voilà, donc tu ne sais pas lire l'heure. Putain, on fait trop de bruit. C'est grave d'être comme ça. Venez, on va manger. Pourquoi toi non plus? Parce que quoi? C'est possible. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui. Normalement, quand ça fait ça. Mais explique aux gens. Parce qu'en fait, c'est notre alarme. Et on l'active le soir, la nuit et tout. Donc ça... Mais attends. Ça a réveillé tout le monde à la baraque, je pense. En fait, quand ça fait ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Mais là, oui, on n'a vu personne rentrer. Là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc soit ça a bugué. C'est trop bizarre. Non, c'est pas vrai. Mais c'est un bug, je pense. On en prendrait plaisir à pourquoi ça s'est déclenché. Soit j'appelle. Est-ce que tu peux la guérir sur. Du coup, t'as fait ouvrir ton cul. Soit j'appelle Vérissure pour leur demander Vérissure. Pourquoi. Soit. Soit, ben, c'est la vie. Me dis pas que c'est ça. La porte de la baie vitrée de la cuisine, elle est alarmée? Je sais pas. Mais... Parce que j'ai ouvert la porte de la cuisine. Hein. Ah, mais oui!
J'avais pas vu, mais regardez. Il y a un truc là. En fait, c'est moi qui ai ouverte. Mais je vous le disais, il y a personne qui est rentré, comme par hasard. En plus, il nous voit ici et tout. Le mec, il va pas rentrer. Hein. Il va pas dire, allez, je vais passer la nuit avec vous à me raconter de la merde. Tu veux manger un truc, toi, là-bas ? Non. Allez. Comme ça, toi aussi, mais ça fait un crâne débile. D'accord. Bah oui. Oh, tiens, du jus. J'ai failli, en plus, j'ai failli taper avec. Ouais, ouais. Je pourrais tuer. Putain, je suis en train de voir. Qu'est-ce que c'est que cette alarme ? Il y a peut-être quelqu'un qui est rentré à la maison. Attends, je vais tester un truc. Qui fait comme moi ? Celui qui fait comme moi, je me marie avec. Moi. C'est pas vrai, c'est pas ça. Bah heureusement, putain. Ceux qui le font, s'il vous plaît, dites que vous le faites pas. Pourquoi ? Parce que là, ça, vous allez souffrir toute votre vie. Oh non, vous avez trop de la chance ici. Mon futur mari, il a trop de la chance. Vous savez, les amis, vous me connaissez sur YouTube. Alors, sur YouTube, c'est vrai que je suis moi-même dans le sens où je fais pas semblant avec vous et tout, mais j'ai pas le même comportement dans la vie de tous les jours. Genre, dans la vie de tous les jours, je suis... ennuyante. Non mais genre je suis une adulte, genre mais vraiment c'est une voilà, dinguerie. Ennuyante alors que dans les vidéos genre je fais un peu la gamine et tout pour faire que je... genre je fais des petits trucs et tout, des fois j'ai pas envie de le faire hein, parce que vas-y j'ai la flemme et tout de faire des trucs comme ça parce que genre j'ai la flemme quoi, et je le fais parce que ça vous plaît et je me dis bon si ça peut faire rire des gens et tout vas-y je vais le faire tu vois, mais c'est vrai que là ça y est je commence à... Bon, c'est bon. Non, je rigole. À la loi. C'est des fruits. Happy birthday to you. Happy birthday. Mais la vie que des fois, quand tu veux faire la gamine, t'es plus une gamine que moi. Ah, mais oui, moi je suis. Oh, quand j'ai envie de faire l'enfant. Je sais pas si. Vous aussi, bon, vous, voilà, je pense que c'est surtout des enfants qui regardent nos vidéos. Mais si jamais vous êtes une adulte là. Et que vous regardez nos vidéos, déjà c'est bizarre. Pourquoi vous regardez Il y a plein de gens à chaque fois, genre ils ont 19-20 ans, ils nous demandent des photos. Oui, mais genre parce qu'ils nous connaissent comme ça de TikTok, de Insta et tout. Mais genre je pense pas que quelqu'un de trop grand il regarde nos vidéos, genre ça doit l'ennuyer, je pense. Bon, ouais, vas-y. Dites-nous si vous aussi vous aimez bien faire le gamin des fois, comme les. Ouais. Tu l'as éteint. Ça fait mal aux yeux. Carrément, c'était un esprit qui nous donnait un signe parce qu'il voulait que t'arrêtes d'être méchante. Pour ceux qui se disent, ouais, quand vous faites ça et tout, vos parents ils disent rien. Bah en fait, tant qu'on fait pas de bruit, ils vont rien dire. Genre, ils s'en foutent nos parents. Vraiment, ils sont hyper cool là-dessus. Enfin, s'il y a pas école demain, bah après, ils nous, genre, on dort quand on veut. Genre. Enfin, moi j'ai pas école, mais Eva quoi. Voilà. Ils sont cool. On va regarder ça, je pense. Bon, on vous laisse. On va regarder notre film. Plein de bisous. Et... salut. Alors, pour ceux qui veulent regarder cette série, c'est Pacte of Silence. Il y a 18 épisodes. Et je pense qu'en fait, c'est Pacte de Silence. Mais moi, c'est en anglais, mon truc. Du coup, ça va ça. Hello.
Mais tu vois, là-dessus, il est éveillé, le chat. Hein. Ouais, par contre, il est grave éveillé. Ouais. Pour son âge, il est grave éveillé. T'as, bon, fait... t'as vu, il court partout. Genre, il comprend, il est pas, tu vois, il est pas débile. Allez. Oh, bon, ça, c'est bien, là. Ça, c'est moi qui... Hop, 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 hop. Je contacte... Qui? Mais papa, il vient à quelle heure? La compagnie... Les guilles. Ouais. Papa, il vient à quelle heure? Happy birthday to dad. Happy birthday to my dad. On lui fait une fête? Ton gâteau, ça serait une tartelette. T'as fait le carnet que je t'avais acheté là? Oui. Tu as fini? Non, ben non, j'ai pas fini. Je l'ai fait la moitié. D'ailleurs, il est dans ma chambre. Bon, Eva, c'est bizarre, Eva. Calme-toi, hein. Mais il est trop fort, j'ai jamais, jamais vu un chat autant fort. Lundi, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Lundi, j'ai rendez-vous à l'école. Demain, normalement, on doit être livré de l'étagère. Hein. Normalement, il faudra aller les appeler quand même pour être sûr. Mais normalement, ça doit aller. On est toujours pas allé au cinéma. Le cul, il va partir. Hein. Faudra pas venir pleurer, hein, je te le dis. Mais vas-y, avec Pauline, tu me raconteras. Mais non! Mais si, tu me raconteras. Bah alors là, la vie, je le prends hyper mal, ce que tu dis. Pourquoi? En mode, vas-y avec Pauline. Bah, justement, je te dis, ouais, je peux y aller, genre. Mais oui, mais on va jamais trouver un moment pour y aller, je la connais. Mec, vraiment, je rigole allez, pas! À côté, là, ok, vas-y, raison. D'accord, je vais pas avec toi, c'est bon. Waouh! Ouais. Wow. Hey, regarde ce look! Avec le petit chien là, incroyable! J'aime bien, mais c'est trop noir! Non, j'adore! J'adore la couleur, regarde! Ouais! Et t'habilles un peu pareil, t'habilles en noir toi aussi, hein! Ouais! Tu sais que le noir, bah. C'est. Tu dis ça, mais t'as le noir. Franchement, je suis trop moche. Non, je suis horrible. Faut que je me change un peu. Je suis moche, là. Faut que je change mon look. Là, je suis trop moche. Oh là là, regarde ma tête. Non, mais franchement, qu'est-ce que j'ai l'air. Je vais me faire un gros chignon, là, là. Et déjà, c'est mieux. Attends, là, je l'ai pas bien fait. Franchement, là, je suis déjà beaucoup mieux. Ah, j'aime trop. Non, mais là, je suis mieux déjà. Oh, attends. Là. Trop bien. Oh, et ça, je vais le mettre là. Oh ouais, j'adore. Je mets un t-shirt. Voilà. Ce look-là. Sinon, il y a quoi d'autre comme que je peux... Non, trop démodé. Non, je suis même pas blonde. Non, trop ringard. Je suis même pas blonde, encore une fois. Je vais pas avoir les cheveux bleus. Par contre, ça, c'est parfait. Waouh. Avec la petite frange, là. Comme ça. Incroyable. J'adore. Par contre, c'est le t-shirt, il est rose.
horrible en fait. Bon, c'est pas grave, je porte ça, mais je vais dire à maman de prendre des vêtements noirs. Bon, je vais mettre celui-là. Là. Quand je serai grande, je vais devenir tatoueuse. J'aime trop, c'est trop satisfaisant. Ah, mais j'aime trop. Incroyable. Mais ça me va trop en fait. Mais je pensais pas que ça m'allait comme ça. Waouh, trop joli. Trop joli. Bon, allez, un autre. Je vais mettre celui-là. Et celui-là, là. Waouh. Oh, trop beau. T'as des ciseaux ici, non? Je suis très contente. C'est bien 10 euros le calendrier. Bon, du coup, au final, on va voir le petit film. Le petit film. On va à 20h. Je réserve mes billets maintenant. Mais pas les billets. Salut, futur. Les oh ça va? Non, tu te fous de moi. Non, Diana, tu te fous de moi là. Bah quoi? Mon dieu. Je suis très stylée. Mon dieu, ça va pas? T'as vu ça où, sur TikTok encore? Non, c'est sur mon look de mon carnet chez... Alors là, ton carnet, tu vas vite le jeter, hein. Je te le dis, Diana, je te le dis. C'est plus Diana, c'est Dianou. Dianou? Dieta. Pourquoi la tu parles comme ça? Je veux devenir comme ça à partir de maintenant. Alors là, je peux te le dire. Papa. Je peux te le dire, si j'appelle papa et que j'envoie une photo... À papa comme ça. Alors maman, elle va rigoler. Hein, mais t'es un homme ou t'es une fille? Je suis un baby. T'es quoi? Je sais pas. Non mais ça va pas. T'es une fille. Dis que t'es une fille. Je suis une fille. Oh, une fille avec un look de garçon. Yeah. Ouais. Non mais ça c'est pas un look de garçon, c'est un look de débile. Moulinette. C'est quoi ça? T'as un loup sur le visage, qu'est-ce que c'est? T'as un serpent sur le cou. Vas-y, chante. Chante un rap, je vais danser. Un rap? Non, chante un rap. Je vais danser. Un rap? Rap! Du rap. Chante un rap, elle me dit. Chante rap. Un radis. Rap, vas-y, on rap. Un. Non, mais on rate pas, on rate pas du tout. Du joule.
Jules. Ah, moi, ça me fait pas rire. Une chanson de Jules. Ah, mais dans la douane, ils te foutent, mettent à poil. Oh, non, mais tu sais pas faire. Ah non, elle sait pas faire, c'est normal. Elle sait pas faire. Fais ça, fais ça. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Bouge de là, toi. Ouais. Non, je rigole pas, les filles. Ouais, ouais. Pas délire. Moi, je me transforme aussi, mon gars. Eh oh. Mais c'est quoi ça, ce truc bleu? Ouais, c'est quoi ce truc bleu? Fais ça bien en noir. Et toi, t'as quel âge pour mettre du Mickey Mouse? Et toi, t'as quel âge pour mettre du rose? Moi, j'ai 9 ans. Attends, bouge de là, toi. Et regardez, j'ai un petit secret, moi. J'aime le rap, mais j'aime, je sais aussi faire ça. Allez, viens là. Voilà. Ça part tes trucs, là, ou pas? Viens, que je regarde. Je vais aller faire le tatoueur. Viens, Diana, c'est trop moche, c'est la honte de faire des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Oh, regarde, allez, je te pète la gueule, viens. T'es quoi, ça? Qui a mis là, ça? On est bien. Bon, tu veux pas venir? Quoi? On y va. Oh, voilà. Allez, vas-y. Ça part tes trucs, là? Vas-y, toi, je te parle. Non. C'est quoi? T'as acheté ça où? Ah, mais ça... C'était dans ton carnet. T'es sûre que c'était dans ton carnet? C'était pas dans mon carnet, ça. Il y a écrit quoi sur ton... Attends, ça part pas! Il y a écrit quoi, là? Il y a écrit quoi? T'arrêtes, hein. Crada. Il y a écrit quoi, là? Diana, demain, il y a école. Tu comprends qu'à l'école, tu peux pas y aller comme ça? Là, on va remettre un max. Non, tu enlèves ce truc. Un max. Une casquette, ça se met pas comme ça, ça se met à l'endroit. Et ça se met pas à la maison surtout. Ok? Et t'arrêtes. T'es une fille très bien. Pourquoi tu veux faire des trucs comme ça? Non, il y a pas de style. Ça c'est pas un style, ça. Non, mais c'est à cause de TikTok, ça, je te le dis. Elle voit n'importe quoi sur TikTok. C'est ça. Alors on va passer les gens. Regardez, j'essaie de faire un truc, moi. Ça, c'est Neguine qui m'a appris. C'est Neguine qui m'a appris. Tu m'as appris à faire ça. Vas-y, fais-le. Dépêche-toi parce que je vais te taper. Dépêche-toi. Attends, c'est dur d'avoir les cheveux. Je t'apprends à faire quoi? Tu m'apprends à faire ça. Waouh. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est un jeu de rôle. Si tu fais pas mal à quelqu'un, c'est bien. Ouais, et après elle les ramasse pas les foufous et après elle me demande des foufous. Serpent dans le cou là. Non, attends, non, hey, tiens non, là. Non, arrête. Allez, maintenant que tu l'as fait, tu les enlèves. Tant pis pour toi. Donne. Là, de toute façon, si je te tiens... C'est moi-même qui le fais, alors. Vas-y. Ça s'enlève comme ça ou pas? Là, il y en a un, ici. Mais si ça s'enlève pas, je peux te le dire qu'on va aller dans la douche et on va frotter. Hein. Mais de toute façon, elle va aller à la douche. Non, mais ça ne s'enlèvera pas comme ça. Allez, non, mais de toute façon, elle va à la douche avant que les parents ils arrivent là, parce qu'après, c'est moi qui prends. Non, tu ne le fais pas! Là, t'as pas de poils. Tu comprends que si papa et maman, ils voient ça, ils vont me fâcher moi? C'est collé parce que c'est moi cheveux. Qui suis responsable de toi quand ils sont pas là. Mais ouais, Diana, t'en as dans les cheveux. Attends, là. Bah oui. Qu'est-ce qu'elle a fait, celle-là? Oh, les gars, attends. Mais pourquoi tu me le jettes sur moi? Elle est malade, elle. Là, ça va faire mal, hein, il y a tes cheveux. Non, t'arrêtes. Mais t'es obligée. Tant pis pour toi. T'es obligée, pour toi. Tu vas les enlever, je te le dis, tant pis. Enlève tes cheveux, là. Ils sont en train de se coincer. Bon, allez, va te laver. Va te laver. Tu vas aller frotter, hein. Je peux te le dire, Diana. Tu t'en as pas mis sur tes jambes et tout? Non. Elle les aurait mis dans les jambes encore. Dans les jambes? Sur les jambes, ça serait pas vu. Sur le visage, un loup sur le visage. Mais où est-ce que t'as vu ça? Un loup. Les loups, c'est dans les bois. Et ça reste dans les bois. C'est moche comme ça. Et oui, maintenant tu regrettes? Oui. Tu nous dis pas avant de faire un truc à chaque fois. Dis-le! Mais dis-moi-le! Non, mais... c'est pas drôle, Eva, c'est pas drôle. J'en ai marre, moi. Ah bah, c'est tout le temps que vous faites des trucs comme ça. C'est pas mon visage, moi. Ça me dérange tout pas. Tout le temps. Arrête d'essayer d'enlever ça. Tu vas te faire mal et ça ne s'enlèvera pas. Aïe, arrête. Va à la douche. Va à la douche. Tu veux pas que je t'arrache la tête. Allez. On va manger des poils. Va frotter, Diana. Tu vas à cette douche ou tu vas pas? Non, j'irai pas. Ok, je vais. J'attends que maman, elle arrive. Feu, maman, elle va te... taper si elle te voit comme ça. Non mais t'es malade, hein. Faut surtout pas qu'elle voit ça, je te le dis. Vite, va, parce que plus ça reste, plus ça colle. Allez. Allez, Diana, lève-toi. Tu comprends pas quoi, t'en vas. Attends. Non, j'attends pas. Ouais, je vois le tatouage comme ça. Oh non, c'est horrible, ça fait trop mal aux yeux. Bah oui, c'est horrible, oui. C'est bien le mot. Désolée. Quoi?
Oui, moi aussi, il m'a fait ça, Oreo, et alors? D'accord, est-ce qu'elle m'attrape bien et te ronronne dessus? Bah si je dors mal avec lui, oui. Non, si. Non, parce que tu le traites mal. Il n'y a que moi qui le traite bien. D'accord. Et oui. N'importe quoi. C'est vrai, petit cœur. Bon, Diana, ça ne sert à rien. Allez, vas-y, viens. Allez, va à la douche. Non. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Maman. Tu regrettes? Bah alors va à la douche et va te laver. Frotte. Frotte bien. Et si t'as besoin d'aide, tu m'appelles. Ouais. Ok. Allez, tu m'appelles aussi si t'as besoin d'aide. Non, toi je te fais. Bisous. Allez, Diana. Oh, petit. Alors. Ah! Auré aussi, on dirait qu'il a des tatouages. Vu qu'il est tout blanc et qu'il a des taches noires. Mm. On dirait une vache. T'es toujours pas partie, toi? Non. Allez, Diana! Eh, plus ça reste, plus ça va pas partir. Attends, je recommence. Plus ça reste, moins ça va partir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, vraiment, ça fait trop mal. Il faut frotter avec de l'eau chaude. Allez, dépêche-toi. Pourquoi j'ai des poils? Dépêche-toi, là! Et arrête de me lancer des trucs dessus! C'est ta casquette, je suis obligée. Eh! Non, tu relances pas. Tu relances pas. Et Diana, si tu relances. J'arrive même pas à viser. Diana, si tu relances, je te jette à la bouche. Ah bah, Eva qui réussit pas, je peux te dire que elle est incroyable. Tu y vas? Non. Eh, hey, bande de grognasses. Oh. Oh. Eh. Hey. Oh. Tu vas à la douche. Eh. Hey. Oh. Tu vas, lâche. Eh. Hey. Oh! T'as pas de force ou quoi? Eh non, mais eh! Si on a une qui se fait mal, moi j'appelle pas les pompiers. Bah ils étaient là tout à l'heure. Ils ont vendu leur calendrier, c'est tout ce qu'ils ont fait. Oh! Il est où le calendrier? Ouah! Allez, on va à la douche. Ok! Lâche! Non! Tu vas te faire mal! Non! Non? Ok. Elle est où ta tablette? Oh, eh, ça fait mal ça, fais gaffe! Tu l'as pas acheté dessus, hein. On va te prendre en photo. Aïe. Aïe. Tu veux vraiment la guerre, hein. Tu veux la guerre avec moi? Ouais. Tu veux la guerre? Oui. Quelqu'un t'a fait toi la chambre? Non. Les filles. Alors, ah bah alors, comment on fait quand on a plus qu'une jambe, hein? On a une qui a 9 ans, l'autre 15. Calmez-vous. Vous avez pas le même âge. Allez. Tu arrêtes. Regarde, elle me déshabille. Diana, t'arrêtes. Toi, tu ignores et Diana, tu arrêtes. Tu viens. Tu viens. Vas-y, prends-la. Allez. Allez, porte un peu. Bah oui, je porte. Je porte rien, c'est moi qui porte tout. Va dans cette douche. C'est dingue! Elle sait même pas ouvrir une porte! Allez, la douche. Allez, hein! Fais-moi! J'en ai marre de ces gosses! Je vais te mettre un coup de bas à bouche!